Salut la famille, bienvenue sur Hollywood. Je suis vraiment trop content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui puisque là, cette vidéo, elle va être dédiée encore une fois au Gecko à Crète. C'est vrai qu'on avait déjà fait une vidéo dessus il y a de ça pratiquement un an, mais on avait envie de la refaire, de revenir un petit peu au fondamental sur cette espèce puisque dans cette vidéo, je vais essayer de la compléter plus que la première et cette fois-ci, le terrarium va être quand même beaucoup plus simple. On va essayer d'être un petit peu plus dans le minimum requis pour cette espèce, mais ne t'inquiète pas, le terrarium sera toujours aussi efficace et toujours aussi joli pour notre magnifique gecko. J'espère que tu es prêt à en apprendre énormément sur cette espèce que je trouve incroyable. C'est parti! Le gecko à crête, son nom scientifique, c'est Corellophus ciliatus. C'est un petit lézard qui va mesurer à peu près une fois adulte 20 à 25 cm et qui va avoir une espérance de vie d'environ 10 à 15 ans. À l'état naturel, on va le trouver en Nouvelle-Calédonie, ce qui fait de ce lézard un reptile qui est français. Et c'est un petit peu la petite fierté, vous voyez. En plus de ça, et ça c'est vraiment le petit point que j'adore avec ce reptile, c'est que chaque spécimen est complètement unique. Sachez que chaque spécimen va avoir des motifs, des couleurs et même une forme de crête qui va être complètement différente. Vous voyez, la forme de la crête, par exemple, entre celui-ci, Billy Bob, et Scarlett, qui est juste ici, est complètement différente. En plus de ça, sachez qu'à la naissance, c'est aussi complètement aléatoire. Les motifs et les couleurs qu'ils vont avoir ne vont pas être transmis par les parents, mis à part quelques exceptions. De mémoire, il me semble que le Lily White et le Dalmatien, ça c'est sûr, c'est transmis par les gènes des parents. Mais sinon, le reste, c'est complètement aléatoire à la naissance. Petite chose à savoir, et je préfère vous le dire maintenant avant d'oublier plus tard dans la vidéo, sachez que c'est un reptile quand même, donc vous voyez, il a une queue comme la plupart des lézards, mais comme pour tous les lézards, cette queue, il est capable de la perdre, c'est ce qu'on appelle l'autotomie. En cas de danger ou quoi que ce soit, il va lâcher sa queue pour pouvoir faire en sorte que le prédateur puisse attaquer celle-ci plutôt que lui. Et cette queue, chez la plupart des lézards, elle repousse, mais chez le gecko à crête, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention pour éviter qu'il perde sa queue. Si jamais ça arrive, je préfère vous rassurer maintenant, ce n'est absolument pas grave, il va parfaitement pouvoir vivre sa vie future. Sachez que dans la nature, par exemple, tous les gecko à crête ont... Non, c'est pas français ce que j'allais dire, excusez-moi. Les gecko à crête à l'état naturel n'ont pas de queue. On n'a pas réussi à trouver des spécimens qui l'avaient gardé encore, puisque, bah... Comme je vous l'ai dit, ils la perdent en cas de défense et ça leur permet de pouvoir se sauver la vie. Oh là, reviens par là toi. En ce qui concerne le comportement, parce que oui, le comportement, j'avais quand même envie de vous en parler. Effectivement, je trouve hein, que ça mérite un point dans la vidéo, puisque ça reste assez particulier chez ce spécimen. Il faut savoir que chaque lézard va avoir son propre comportement, un petit peu comme nous. Effectivement, hein, déjà de base, dans la nature, c'est le cas pour la plupart des animaux, mais réellement, je trouve que chez le gecko à crête, il y a une réelle différence d'un spécimen à l'autre. Typiquement, je prends les deux que j'ai là, donc Scarlett et Billy Bob, qui est juste ici. D'ailleurs, hein, pour la petite histoire, là, c'est un mâle et là, c'est une femelle, sachez qu'il y a une énorme différence de comportement entre les deux. Déjà, quand ils étaient petits, bon, ils chassaient des insectes, ça c'est normal. Le gecko à crête, quand il est jeune, il va aimer se dépenser, il va aimer jouer, donc pour ça, il va chasser des insectes. C'est un petit jeu pour lui, il adore ça. Mais en grandissant, ça reste un animal qui est très opportuniste, et qui dit opportuniste, dit un animal qui se dépense peu, donc il va plutôt se rediriger vers des fruits qui viennent juste de tomber de l'arbre, donc ils sont très très mûrs, et là, ils vont pouvoir les mastiquer et se nourrir de ça uniquement. Mais par contre, on a observé cette différence de comportement entre les deux, puisque elle va avoir un comportement qui est très très propre au gecko à crête par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle va être très feignante, très opportuniste, la journée elle va pas beaucoup se déplacer, parce que oui, c'est un animal qui est nocturne aussi. Et en plus de ça, elle ne mange aucun insecte aujourd'hui, alors que quand elle était jeune, elle en mangeait. Par contre, lui, Billy Bob, c'est un gecko qui va énormément se dépenser, ça le dérange absolument pas de se balader dans son terrain en pleine journée, ne serait-ce qu'hier, par exemple, on l'a vu, il se balader dans tous les sens à l'intérieur du terrain alors qu'on était en pleine journée, hein. Il était 13-14 heures, donc absolument pas normal pour un gecko à crête, mais comme je t'ai dit, ils sont tous uniques. Et en plus de ça, eh ben écoutez, Billy Bob, lui, il va aimer de temps en temps consommer quelques insectes. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est super intéressant avec ce spécimen, c'est que du coup, ils sont tous différents et ça donne envie, en plus, d'observer un petit chouïa plus son lézard quand même, au minimum, hein. Sinon nous on passe notre temps à les observer ces deux-là. Et petit détail à savoir, ce sont aussi des reptiles qui sont arboricoles, ça veut dire qu'ils vont aimer grimper dans les arbres, ils vont passer la plupart de leur temps en hauteur et ils vont redescendre uniquement pour pouvoir se nourrir ou alors chasser quelques insectes.
Maintenant que j'ai fini de te parler un petit peu du gecko à crête, eh ben écoute, tu vois, je suis passé devant mon plan de travail puisqu'on va pouvoir réaliser le terrain, mais avant ça, je vais te parler un petit peu de tout le matériel que je vais utiliser pour pouvoir faire son habitation à ce gecko à crête. Déjà, il faut savoir que le terrarium que tu vas pouvoir acheter, le minimum, ça va être ce modèle-là, c'est-à-dire 45 cm sur 45 cm sur 60 cm de haut. Tu pourrais utiliser d'autres types de terrarium, hein, par exemple des terrariums qui vont être en plexiglas ou en PVC ou alors en bois, ça fonctionnerait très très bien. Attention par contre avec les terrariums en bois, étant donné qu'on va lui faire un habitat qui va être tropical humide, si jamais ton bois ne résiste pas à l'humidité, tu risques d'avoir quelques problèmes. Donc je te conseille de faire attention. Nous, on est parti sur un terrarium en verre de la marque Exoterra. Ça fonctionnera très 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 bien pour ce qu'on veut en faire et ça permet juste, c'est un peu le terrarium qu'on trouve un petit peu partout celui-ci. Ensuite, au niveau de l'éclairage ça va être quand même assez important malgré que ton animal soit nocturne, tout simplement parce qu'il va avoir besoin de se réguler en termes de journée, c'est-à-dire que s'il n'a pas d'éclairage le jour qui fait nuit tout le temps dans son terrarium, lui il va être un petit peu perdu dans sa tête, il va pas savoir quand aller se coucher, voilà, tu risques d'avoir un animal qui va être perturbé au niveau psychologique. Donc je te conseille d'avoir un éclairage ou alors de faire en sorte que ton installation soit dans une pièce qui soit très lumineuse pour qu'il puisse profiter de cette lumière justement pour pouvoir se réguler et aller dormir. Ensuite au niveau des UV, alors là les UV c'est vrai qu'il y a deux écoles sur les geckos à crête. Tu vas avoir ceux qui vont vouloir mettre des UV parce qu'ils estiment que c'est un animal qui vit dans la jungle, donc dans la jungle on prend des UV, ce qui est vrai, attention c'est complètement vrai, et d'autres personnes qui estiment que vu que c'est un animal nocturne qui sort pas la journée, ça lui sert à rien de mettre des UV. Alors, à ce niveau-là, moi, je suis assez d'accord avec la deuxième position. On a essayé les deux. Moi, de mon côté, quand Billy Bob, il était chez moi, je lui avais mis des UV. Et Scarlett, qui était restée ici, on ne lui avait pas mis d'UV. On n'a vu aucune différence. Donc, bah, je n'ai pas revu l'intérêt de mettre des UV, en fait. Donc, on a arrêté. On ne met pas d'UV dans nos installations. Et ça fonctionne très, très bien. Ensuite, par contre, au niveau des températures, il faut savoir que le gecko à crête, c'est assez facile de pouvoir le maintenir. On le conseille souvent des débutants, puisqu'il ne va pas forcément avoir besoin de chauffage à l'intérieur de son terrarium. Tu vas pouvoir le maintenir à des températures allant d'à peu près 16 degrés jusqu'à 28-29 degrés. Attention, pleine période de canicule comme là on arrive actuellement, si jamais il fait très très chaud qu'on dépasse les 30 degrés, c'est pas forcément trop trop grave si jamais ça ne dure pas plusieurs jours d'affilée. Si jamais par contre ça dure très très longtemps, essaie de faire en sorte de déplacer ton installation dans une pièce beaucoup plus fraîche. Sinon ton reptile risque de souffrir de cette canicule et il pourrait potentiellement perdre sa queue à cause du stress que ça va lui engendrer. Par contre, si jamais tu es dans une pièce qui est extrêmement froide, si tu vis dans un endroit qui est plutôt froid, là je vais te conseiller d'utiliser un thermostat et un tapis chauffant pour pouvoir réguler les températures et faire en sorte qu'il ait au moins 20 degrés, comme ça il est bien, il a un bon métabolisme et c'est pas trop froid ni trop chaud, ça va être parfait pour lui. Pour la décoration du terrarium, on a choisi de mettre une plaque en écorce de liège directement au fond, une plaque qui est complètement naturelle. Et pour pouvoir donner un petit peu de volume au terrarium et faire en sorte que notre gecko qui est arboricole puisse exploiter la hauteur du terrain, on est venu coller des racines directement au fond de ce terrain. Tout ça, le collage, on l'a fait avec de la colle silicone. C'est vraiment un avantage puisqu'il n'y a aucune vapeur toxique qui va s'en échapper une fois que ce sera sec. Petite chose, on n'avait pas forcément non plus envie de s'embêter à faire un fond de terrarium avec de la mousse expansée parce que ça prend énormément de temps. On avait envie d'essayer autre chose pour pouvoir faire ce fond de terrarium, peut-être aussi un petit peu moins cher. C'est aussi ça qui nous a décidé, puisque la plaque en fond on l'a payé à peu près 45 euros, et les petits bois, les petits morceaux de bois là qu'on a juste ici, on les a payés 8 euros. Alors oui, hein, je sais, les bouts de bois 8 euros ça fait cher, mais bon, que voulez-vous, on est sur Angers, on n'a pas tellement de choix non plus. Petit message, j'avais envie de dire un énorme merci à Momo qui nous a donné ce terrarium. Momo, c'est un abonné, donc un énorme merci à toi. Maintenant que je t'ai présenté un petit peu tout le matériel technique et la déco qu'on allait utiliser, on va pouvoir réaliser le terrarium. Pour réaliser le terrarium, étant donné qu'on va le faire naturel, on va forcément avoir besoin d'un sol qui est naturel. Pour ça, je vais utiliser différents éléments. Déjà de base, je vais avoir une base de terre. En fait, c'est un mélange de différents humus. Il y a plusieurs marques qui existent. Ça peut être JBL, Zoomed, Multifit par exemple. Ça fonctionne très très bien. Et tu vas avoir de l'humus de coco, tu vas avoir de la tourbe, tu vas avoir différents éclats de bois à l'intérieur. Et ça va permettre de donner une base à mes plantes. C'est pas nutritif, attention, pour les plantes, hein. C'est vraiment uniquement une base qui est complètement saine et qui n'a aucun nutriment. En plus de ça quand même, je vais rajouter du forest floor. Le forest floor, c'est vendu par Zoomed, c'est de l'éclat de bois de cyprès et ça va me permettre en fait de donner une certaine structure à mon sol, de lui donner un petit peu de volume et surtout de faire en sorte que quand j'arrose, l'eau se répartisse bien dans ma terre, que ça ne vienne pas en fait stagner directement au fond. C'est quand même assez important. Pour faire mon mélange, je vais quand même mettre la moitié donc de Terra Basis ou de l'autre marque que vous allez utiliser et la moitié d'éclat de bois de cyprès.
Ensuite, je viens faire mon mélange. Ce mélange, je viens l'incorporer directement dans mon terrarium. Et en termes d'épaisseur de sol, je vous recommande d'avoir au moins 4 à 5 cm pour vous laisser un petit peu de place de pouvoir planter vos plantes. Ensuite, parce qu'avec la décoration, c'est pas tout à fait terminé, j'ai quand même deux racines. Les deux racines, alors, voilà, les deux racines, je les ai juste ici. Ces deux racines-là, en fait, on voulait pas les coller directement au fond du terrarium, on voulait les mettre directement dans le sol qui ressortent et qui vont vers le haut. Donc, elles aussi, je vais pouvoir les placer directement à l'intérieur de mon terrarium. Je fais quand même bien attention qu'elles soient très très stables pour faire en sorte que mon gecko ne tombe pas et qu'il ne fasse pas tomber la racine si jamais il saute dessus, parce que ça peut être assez important de... Voilà, les geckos sautent, donc il faut quand même faire attention à ça. Et donc du coup, je fais en sorte de bien la caler en creusant à l'intérieur de mon sol. Une fois que c'est bien calé, eh bien écoutez, ça y est, j'ai terminé avec le sol de mon terrarium et on va pouvoir passer à la plantation. Maintenant, pour la plantation du terrarium, eh bien écoutez, on va faire un petit peu comme d'habitude. Je vais vous présenter les plantes qu'on a choisies pour ce terrarium. Alors déjà, pour commencer, on va avoir une bromélia. Alors la bromélia, elle, on va la placer un petit peu dans le terrain en hauteur, histoire qu'elle prenne un petit peu de volume et donner de verdure vers le haut. Mais sinon, pour le reste, on va avoir de la mousse. Donc ça, c'est de la mousse de forêt. C'est une mousse assez basique qu'on a récupérée directement en jardinerie. Ça fait un moment qu'on l'exploite dans un terrarium, mais on l'a récupérée pour celui-ci. Ensuite, alors je vais avoir cette plante là, je vous avoue les noms des plantes, je vous préviens, je connais que dalle. Ça pour moi c'est une plante de type guirlande tropicale, on va appeler ça comme ça. Ensuite, là ça par contre je connais, ça c'est un Monstera minima, parce qu'il est petit. Ça c'est facile à retenir, moyen mémotechnique, hein. Voilà voilà quoi. Et ensuite, alors ça c'est la même plante, Alban tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais je crois que c'est le même, c'est la même chose hein. C'est la même plante. Ça, pour moi, c'est une plante de type guirlande verte et blanche. On va la... C'est un pothos ? C'est un frérot, c'est ça ? C'est nul ! Vas-y, bah écoutez, comme d'habitude, la famille, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur un petit plan musical, et puis avec Alban, on va s'occuper de la plantation du terrarium. Alors, effectivement, je pense que vous vous en doutez un petit peu, vu le nombre de plantes qu'on a, le terrarium va pas forcément être très très planté, mais c'est totalement volontaire, on a envie que les plantes qui sont à l'intérieur se développent d'elles-mêmes, et qu'au fur et à mesure du temps, le terrarium soit de plus en plus vert. Bon, j'en ai un petit peu fini de parler, on va pouvoir passer à la plantation, je vous laisse avec le petit plan musical. Petite pause dans la vidéo pour, comme d'habitude, t'inviter à t'abonner à la chaîne et nous aider à atteindre notre objectif un petit peu fou des 10 000 abonnés avant la fin de l'été, sachant que, comme tu dois le constater, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. En attendant, tu vas aussi pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des photos, des vidéos, des news de tous les animaux qu'on peut avoir au studio. Et tu vas même pouvoir investir sur notre chaîne en cliquant sur le petit lien qui est directement dans la description pour te rendre sur notre
notre site internet et avoir différents designs que tu vas pouvoir retrouver sur différents vêtements ou accessoires. Et sache que ces designs, moi personnellement déjà je les trouve incroyables, mais ils ont aussi été réalisés par Art by Ja, donc un énorme merci à elle pour tout le travail qu'elle a réalisé pour nous. Ça y est, j'en ai fini avec la petite partie un petit peu auto-promo. Tu vas pouvoir retrouver la suite de la vidéo maintenant. Et voilà, ça y est, on a enfin terminé le terrarium. Je suis vraiment pas mécontent du tout du résultat. On a quelque chose de plutôt joli, plutôt pratique. On va pouvoir récupérer le gecko à crête assez facilement à l'intérieur du terra. On va pouvoir bien l'observer correctement. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Je pense que certains l'auront remarqué. Hein, je l'avais pas précisé avant, c'est vrai. Mais on a rajouté à la fois des feuilles mortes et à la fois une petite liane qu'on a mis juste en haut. Alban y tenait absolument à cette liane. Il en démortait pas, il voulait absolument la mettre. Donc, on l'a mise. Et puis bah finalement je trouve que ça embellit encore plus le terrain. Donc bah écoutez, c'est parfait. Maintenant que je t'ai dit tout ça, on va enfin pouvoir faire un point sur l'alimentation. Et l'alimentation chez le gecko à crête, c'est un point qui est très important, surtout pendant sa jeunesse. Dis-toi que le gecko à crête, c'est à la fois un insectivore, mais c'est aussi un frugivore. Je crois que ça se dit, oui, si ça se dit. Et donc, à la fois un insectivore et à la fois un frugivore. En gros, dans la nature, donc en Nouvelle-Calédonie, quand on le voit à l'état sauvage, les petits vont généralement chasser beaucoup d'insectes. C'est à la fois un moyen de s'amuser, un moyen à la fois de se dépenser, et je pense aussi un moyen à la fois de se faire à la vie sauvage. Et puis, c'est aussi inscrit dans leur gène. Mais en grandissant, ils vont moins consommer d'insectes et plus consommer de fruits, puisque c'est un animal qui va devenir de plus en plus opportuniste. C'est-à-dire qu'il va essayer de moins en moins se fatiguer pour pouvoir aller chercher sa nourriture. Typiquement, les fruits qu'il va pouvoir manger dans la nature, c'est des fruits qui vont être extrêmement mûrs, qui vont généralement être tombés de l'arbre et qui vont essayer de s'écraser par terre. Ils vont manger l'espèce de bouillie qui va en résulter, l'espèce de purée, et ils vont se nourrir de ça et ça fonctionne très très bien. En captivité, le gecko à crête, quand il est jeune, on va bien entendu pouvoir le nourrir avec des insectes, mais pas que. C'est important de pouvoir varier son alimentation. Pour les fruits, tu vas avoir différentes solutions qui vont s'offrir à toi. Tu vas par exemple pouvoir utiliser des petits pots pour bébé. Faudra faire très attention que ce soit sans conservateur et sans sucre ajouté. Ça, c'est vraiment très important pour ton gecko, sinon ça va pas le faire du tout. Mais tu pourrais très bien aussi te rabattre sur des produits type Repachi, type Nutrigeco par exemple, qui fonctionne très très bien. Il y a énormément de marques là-dessus et en fait ça va être de la poudre que tu vas mélanger à de l'eau pour pouvoir reproduire une sorte de purée de fruits. L'avantage c'est que nous on utilise Nutrigeco qu'on a juste ici et celle-ci c'est à la fois un mélange de fruits et à la fois un mélange d'insectes, ce que n'est pas par exemple le Repachi. C'est pour ça que c'est important de bien choisir son alimentation. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, attention. Pour moi, il n'y en a pas de meilleur que l'autre. C'est vous, en fonction de votre choix. En plus, je sais que Nutrigeco, ils font plein de goûts différents. Et nous, on aime bien changer de goût de temps en temps. Je trouve que c'est plutôt sympa pour votre gecko. Par contre, il faut aussi savoir qu'en grandissant, votre gecko, il va avoir besoin de moins en moins de s'alimenter. C'est normal. Si vous ne voulez pas avoir un lézard qui est en surpoids, qui a vraiment un petit peu des gros boudins là sur les côtés, bah écoutez, il va falloir le nourrir correctement. Quand votre gecko il est jeune, quand il grandit, vous pouvez le nourrir tous les deux jours, ça pose aucun problème. Au contraire, lui, il va être carrément content de ça. Par contre, quand il va grandir, quand il va avoir atteint sa taille adulte, c'est-à-dire aux alentours d'à peu près 2 ans, je vous conseille de le nourrir plutôt 2 fois par semaine. Par exemple, 2 fois par semaine, on va lui mettre du Repachi. Je te montrerai un petit peu comment on fait le Repachi, c'est assez simple. Et en plus de ça, on va lui donner quelques insectes, mais vraiment de temps en temps. Les insectes, attention, ça va aussi dépendre du type de gecko que vous avez. Je sais que Billy Bob, lui, les insectes, de temps en temps, il va venir les manger, mais par contre, Scarlett, elle, on peut lui proposer des insectes, elle en a rien à péter. Donc voilà, va falloir s'adapter à votre gecko. Chaque gecko a sa propre personnalité et il va falloir l'observer pour pouvoir la connaître, justement, cette personnalité. En attendant, si jamais vous le nourrissez avec du Repachi, pour faire votre Repachi, c'est extrêmement simple. Vous allez prendre une dose de poudre. Cette dose de poudre, il va falloir y rajouter à peu près 2 doses d'eau et vous allez mélanger. Le but en fait en mélangeant, c'est d'obtenir cette texture qui est assez particulière, un petit peu qui ressemble un petit peu à du ketchup en fait. Soit pâte à crêpes, soit ketchup, c'est vraiment cette texture là qui va être intéressante. Et une fois que c'est fait, vous le mettez dans un petit pot à l'intérieur du terrarium et votre gecko il va le sentir et il va venir se servir directement tout seul. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à savoir, mais c'est quand même important de faire correctement les choses. On va maintenant pouvoir passer à l'étape de la reproduction. Et la reproduction du gecko à crête, je te le dis, c'est quand même quelque chose d'assez facile, d'assez accessible pour les débutants.
débutant. Néanmoins, si tu sais pas forcément quoi faire de ta reproduction ensuite, réfléchis-y bien, parce que c'est important de pouvoir loger les futurs bébés que tu vas pouvoir avoir. Je vais quand même t'expliquer un petit peu comment se passe la reproduction chez Gecko Accrète. Je vais pas tout indiquer, parce qu'il faut savoir que nous, on ne sait pas tout non plus sur la reproduction du gecko. On va s'y exercer justement avec la femelle et avec le mâle qu'on a juste ici, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réalisé. Donc bien sûr, on s'est renseigné avant, on a récupéré un maximum d'informations. Ces informations-là, je vais essayer de vous les donner, mais vous n'aurez pas encore mon retour d'expérience. Peut-être que plus tard, on refera une vidéo pour justement vous apporter mon retour d'expérience. Alors, en attendant, pour la reproduction du gecko à crête, il faut savoir que le gecko va aimer se reproduire à une certaine période de l'année. C'est la période à laquelle commence la reproduction. En général, dans la nature, ça va être aux alentours de février-mars à laquelle ça va commencer, et cette reproduction va se terminer au début de l'été, c'est-à-dire dans le mois de juillet. Pendant cette période-là, vous allez pouvoir faire rencontrer le mâle et la femelle. Vous allez pouvoir mettre le mâle directement dans le terrarium de la femelle. Je sais qu'on peut aussi mettre la femelle directement dans le terra du mâle. Néanmoins, je préfère la première méthode. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour la femelle, vu qu'elle va en prendre plein sa tronche, je vais t'expliquer après. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple pour elle de rester dans un mood, dans sa zone de sécurité, en fait, si vous voulez. C'est un petit peu sa zone à elle, et c'est important de la rassurer au maximum. Donc, une fois que vous avez mis le mâle dans le terrarium de la femelle, là, vous allez voir immédiatement le mâle vouloir poursuivre la femelle le plus rapidement possible. C'est tout à fait normal, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et une fois qu'il l'a chopé, il va pouvoir commencer l'acte de reproduction, qui va durer entre 15 et 20 minutes. C'est un acte qui est très long, c'est un acte qui va être aussi extrêmement violent envers la femelle, puisque pendant cet acte, le mâle va la mordre, va essayer de l'agripper, de l'attraper pour pouvoir la féconder le plus rapidement possible et le mieux possible aussi. Il faut savoir que pendant cette reproduction, assez souvent, la femelle peut être amenée à perdre sa queue. Le mâle aussi, si jamais la femelle cherche à se défendre, ça peut arriver aussi dans quelques cas, mais voilà, c'est une possibilité, il faut le savoir, vos lézards peuvent perdre leur queue à ce moment-là. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retenter l'opération plusieurs fois, et effectivement, les femelles peuvent garder, en fait, peuvent stocker du sperme, tout simplement, pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois d'affilée ensuite. Néanmoins, si jamais vous débutez, je vous déconseille de le faire. Faites juste une seule fois la reproduction et après, observez bien votre femelle. Parce que si jamais vous la mettez dans des conditions trop rudes pendant cette période-là, elle peut beaucoup stresser et après, ça peut lui apporter beaucoup de problèmes. Donc, évitez de le faire, faites-le juste une seule fois et ça suffira largement. Bien sûr, ça je ne voulais pas préciser, mais ça me paraît assez évident, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas forcément dit. Il faudra s'assurer, avant même de mettre le mâle dans le terrarium de la femelle, il faudra bien s'assurer que vos geckos sont en excellente santé, ont dépassé les 2 ans pour être sûr qu'ils soient matures sexuellement et que vous les ayez bien nourris avant pour pouvoir passer cette période un petit peu dure. Revenons-en un petit peu à nos moutons. Donc là, ça y est, le mâle a fécondé la femelle pendant ses 15 à 20 minutes. Vous allez pouvoir reprendre votre mâle, le remettre dans son terrarium et observer la femelle. Pendant un mois à un mois et demi, la femelle va garder les œufs en elle. Elle va en fait les féconder, les développer à l'intérieur de son corps. Et au bout de ce mois et demi, elle va aller les pondre directement dans le sol. Elle va redescendre en fait, elle va chercher un petit coin tranquille. C'est pour ça que c'est important de pouvoir la surveiller. Et elle va les enterrer dans le sol. Donc si vous voyez qu'elle squatte souvent en bas à gauche du terrain par exemple, ça veut dire qu'elle va pondre dans le coin, donc surveillez bien. Vous allez récupérer les œufs. Une fois que vous les avez récupérés, vous allez pouvoir les passer dans un incubateur. Là, on va arriver sur la période un petit peu plus délicate de la reproduction. La période où justement mon expérience pourrait plus vous être favorable. C'est pour ça que je vais m'arrêter là, que je ne vais pas forcément vous parler de l'incubation, puisque ça mérite une réelle expérience par rapport à ça. Vu que je ne l'ai pas, je ne vais pas vous en parler. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir passer à l'étape de l'entretien. Et donc, pour entretenir correctement votre terrarium, ça va vous demander un petit peu de travail tous les jours, mais je vous rassure, encore une fois, c'est pas grand-chose. Déjà, tous les jours, comme je vous l'ai déjà dit, il va falloir observer votre lézard pour apprendre un petit peu mieux le connaître, pour connaître sa personnalité et pouvoir un petit peu mieux répondre à ses demandes. Ça, c'est quelque chose d'assez normal. Ensuite, pour juste parler du terrarium et de son entretien, tous les jours, il va falloir passer un coup de vapeau à l'intérieur du terra. Effectivement, nous, on veut un terrarium tropical, ça veut dire qu'il va falloir un certain taux de
d'humidité à l'intérieur. Votre gecko à crête, il va avoir besoin d'un certain taux d'humidité. Dites-vous, le gecko à crête, il va avoir besoin d'entre 60 à 80, 90% de taux d'humidité constamment dans son terrarium. Je vous rassure, c'est quelque chose qui est assez facile à avoir. Par exemple, nous, on fait un coup de vapeau le matin assez tôt et un coup de vapeau le soir, une fois que toutes les lumières se sont éteintes. En plus de ça, ça va être important de le faire deux fois par jour parce que votre gecko, il va aller boire directement l'eau qui est sur les feuilles ou sur les vitres. Je sais que le mien, par exemple, dès qu'on vient de vapeau, il va passer 15 à 20 minutes à faire le tour du terrain pour aller lécher toutes les gouttes. Donc c'est pour ça que ça reste assez important de le faire. Bien entendu, la nourriture que vous allez mettre à l'intérieur, si jamais vous utilisez du repachi, il va falloir la retirer dès le lendemain. Il ne faut pas la laisser plusieurs jours, ça peut moisir. Et si jamais votre gecko, normalement, il ne devrait pas aller s'alimenter de quelque chose qui est moisi. Mais si jamais c'est pas le plus affûté du tiroir et qu'il décide quand même d'aller bouffer à l'intérieur, voilà, il risquerait d'avoir quelques petits soucis votre gecko, donc faites quand même très attention à ça. Ensuite, nous, on n'a pas fait un terrarium bioactif, donc forcément, quand Billy Bob il va aller faire ses excréments à l'intérieur du terrain, il va forcément falloir qu'on les enlève. Sinon, personne ne va aller se nourrir de ces excréments là justement, et du coup, on va finir avec un terrain qui va puer la mort. Donc tous les jours, il va falloir qu'on enlève un petit peu tous les excréments, c'est tout à fait normal, dès qu'on les voit, on les retire et normalement tout se passera bien dans l'avenir. Vous voyez, il n'y a quand même pas grand chose à savoir concernant l'entretien d'un terrarium, c'est assez important. Petit détail supplémentaire, je vous conseille quand même de faire un coup de vapeau par semaine directement au niveau des pieds des plantes. Parce qu'effectivement, quand vous faites un petit coup de vapeau général, bah, votre sol il n'est pas forcément assez imbibé en eau. Donc faites-le au moins une fois par semaine au niveau des pieds des plantes, comme ça vos plantes vont correctement se développer dans le terrain. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir concernant l'entretien d'un terrarium. C'est pas grand-chose, mais c'est super important de tout faire sur ce que je t'ai dit dans la liste. J'espère que maintenant tu sauras comment t'occuper de ton gecko à crête. Si jamais tu te poses encore des questions, surtout n'hésite pas à me les donner directement en commentaire. J'essaierai de te répondre le plus rapidement possible. Effectivement, je peux pas forcément te donner toutes les informations sur le gecko à crête dans cette simple vidéo. Déjà, parce que je sais pas non plus, je n'estime pas tout savoir sur le gecko à crête. Et ensuite, ça ferait une vidéo qui serait ultra longue. Donc, on a préféré essayer de condenser un maximum les informations pour que vous puissiez vous en sortir. Mais si jamais à la moindre interrogation, n'hésite surtout pas à venir directement dans les commentaires. Si jamais tu aimes ce type de contenu et que tu en veux encore plus et surtout du contenu de meilleure qualité, clique sur le bouton s'abonner et en plus de ça, tu vas nous aider à atteindre notre objectif un petit peu fou de 10 000 abonnés avant la fin de l'année. N'oublie pas de nous rejoindre sur les réseaux TikTok, Instagram et Facebook pour avoir des vidéos, des photos, des news de tous les animaux du studio. Et si jamais t'as pas de compte sur ces réseaux-là, eh ben ce sera peut-être le moment de pouvoir t'en créer, hein. En attendant la famille, je suis vraiment trop pressé de te retrouver la semaine prochaine, dimanche 11h. C'était Matt sur Animoot. Je te fais des bisous. Ciao !